Salut les amis, ici votre tavernier et bienvenue pour un premier épisode de découverte sur le jeu Mounted Blade et Warband, un jeu qui me fait vraiment chaud au cœur de vous représenter aujourd'hui dans un épisode de découverte, car il s'agit du tout premier jeu que j'ai fait en vidéo sur ma chaîne avec Shergun. Alors qu'est-ce que c'est Mounted Blade Warband? Alors déjà, avant toute chose, si ça vous plaît ce jeu, si ça vous plaît ce let's play, ces épisodes, peut-être que je vous ferai un let's play si ça vous plaît, mais on verra ça par la suite. D'abord, parlons du jeu. Il s'agit d'un RPG qui ne se passe pas au tour par tour. Comment vous expliquer ça? C'est un RPG où vous incarnez le rôle d'un seigneur qui n'a pas de terre, qui n'a rien, et qui a pour but dans la vie d'avoir ses propres terres, ou de devenir marchand, ou vendeur d'esclaves, ce genre de choses. Enfin bref, vous avez pas mal de possibilités. Vous avez plusieurs facettes dans ce jeu que je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors tout d'abord, là, on se trouve, pour vous expliquer, sur la carte monde. La carte où vous allez avoir accès à toutes les villes de jeu. Vous aurez accès à votre personnage, vous pourrez le déplacer à droite et à gauche afin de rencontrer d'autres seigneurs ou aller dans un château, dans un tournoi. C'est ici que vous allez avoir les interactions, en gros. Là, on voit mon personnage. Je suis Sir Tavernier. On voit actuellement que j'ai 51 soldats, plus 10. 51, ça veut dire que j'ai 51 soldats, et 10, ça veut dire que j'ai 10 prisonniers, que je pourrais les vendre aux vendeurs d'esclaves. Mounted Blade Warband est un jeu aux multiples possibilités. De plus, c'est un jeu qui peut être modé. Et là, on voit actuellement que je ne joue pas au jeu d'origine, mais que je joue à un mode. Je joue au mode A Clash of Kings, qui, comme vous l'aurez compris pour les connaisseurs, reprend l'univers de Game of Thrones. Alors là, c'est fort chouette. J'ai accès à tout Westeros. Alors là, actuellement, je me trouve près du Pentos. Là, c'est la carte de Westeros, vous avez le Dorn, vous avez Terre de l'Orage, le Bief, les Lannister, le Nord, le Val, enfin bref, vous avez toutes les factions de l'univers de Game of Thrones. Mon but dans la vie, actuellement, c'est de bien me faire voir par Pentos, afin de rentrer dans leur royaume, d'obtenir des terres et devenir au fur et à mesure maître du monde. Mais pour cela, il faut que j'acquière de la notoriété, il faut que j'acquière des soldats, des alliés, etc., etc. Ce jeu est assez punitif. Vous perdez, vous ne mourrez pas, mais vous perdrez tous vos soldats, vous perdrez des caractéristiques, de l'équipement. Bref, même si vous ne mourrez pas, vous avez quand même les boules quand vous perdez une bataille. Vous avez donc la carte du monde, vous avez en bas plusieurs onglets. Vous avez l'onglet campé, qui n'est pas l'onglet le plus important. Alors, on peut recruter nos soldats parmi nos ouvriers, gérer l'inventaire de nos compagnons. On va y revenir plus tard sur les compagnons. Décider une action, lire un livre, se retirer de l'aventure, revenir au menu camp, etc. etc. Vous pouvez... j'ai inventé un... reprendre le voyage. Vous pouvez faire diverses actions et variées. Monter un camp, changer les options du monde, attendre un moment, etc. etc. C'est pas l'onglet le plus important. C'est pas vraiment celui que j'utilise le plus. Vous avez l'onglet rapport qui est assez important. Vous voyez votre renommée. Donc plus vous avez de renommée, plus vous êtes connu au sein du royaume. Donc autant vous dire qu'au début, quand vous êtes un petit pecno, là je suis encore un pecno, hein, faut pas croire. C'est pas parce que j'ai 157, je suis un tout petit peu connu. On entend un petit peu parler de moi. Mais je suis pas non plus très connu. Quand vous êtes un petit pecno, pensez pas que les seigneurs vont vous engager. Non, loin de là. Les gens ils vont regarder, ils vont dire mais t'es qui toi? Espèce de bouseux, pourquoi tu veux me parler? Il y en a même qui vont vous foutre sur la gueule, hein. Ils vont vous taper parce que vous venez leur parler, que vous n'êtes pas connu, hein, des seigneurs.
Ils s'en foutent dans leur tête. Hein. L'honneur, c'est en gros si vous effectuez des bonnes actions. C'est important d'avoir de l'honneur dans un certain sens. Surtout dans le sens où vous allez draguer des femmes. Si les femmes sont vous, si vous voulez, on va dire choper en quelque sorte, et vous faut que vous ayez un certain honneur. Les femmes ne vont pas vouloir se marier avec des ripoux, tout simplement. Ce qui en vrai, dans la vie véritable, n'est pas le cas, mais bon, ça c'est autre chose. Vous avez le moral de vos troupes, qui peut atteindre jusqu'à 100. Vous voyez, j'ai un moral des troupes qui est presque parfait. Pourquoi j'ai un bon moral? Parce que mes troupes, ce sont des troupes qui viennent d'un même pays. Pour l'instant, on gagne beaucoup de batailles, on ne meurt pas, je les nourris, donc tout se passe plutôt bien. La limite d'effectif, c'est le nombre de soldats que je peux avoir au maximum. Là, vous voyez, je peux avoir au maximum 81 soldats. Et mon prochain salaire sera donc le 11 de la 9e, machin truc, à 12h. Si on regarde le rapport de mon groupe, on peut regarder le rapport de mes personnages. Donc ça c'est moi, si j'ai des amis ou des ennemis, pour l'instant j'en ai pas. Je ne lis aucun livre à l'heure actuelle. On voit la taille de mon groupe, le nombre de seigneurs, châteaux, maréchaux, souverains, le moral de mon groupe, pourquoi il est bon. Bon là vous voyez, il est un peu en dessous à cause de la taille du groupe, parce que j'ai un gros groupe. Mais le reste fait que ça monte. On voit mes compagnons. Parce que vous pouvez recruter différents compagnons avec différentes compétences, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. Et vous voyez les rapports de mission de mes compagnons, c'est-à-dire que quand je vois mes compagnons en mission, je vois là où ils sont actuellement. Donc on voit par exemple que Fena, j'avais perdu une bataille et elle est disparue après la bataille. Localisation inconnue. Elle a sans doute été capturée. Donc mon objectif aussi va être de la récupérer. Les notes. Alors ça un peu c'est le Wikipédia de Warband. vous avez accès au journal du jeu qui vous indique donc les dernières actions qui se sont passées. Le Tyrosh et lui sont signés à la paix, il a été fait prisonnier, machin est assiégé. Vous avez aussi les différentes notes, c'est-à-dire vos quêtes qui sont à court. Moi j'ai détruit le repère de bandits que je viens de faire. Pousser un royaume à attaquer un autre parce que je suis un bâtard. Un nouveau commencement. Concept du jeu. Là où ils expliquent un petit peu comment le jeu ça se passe. Les différents personnages. Donc ça c'est moi. Magnifique, je suis, n'est-ce pas? Vous avez accès à tous les autres personnages du jeu. Par exemple, prenons Prif. Lord Alassandor Torrent. C'est lui. C'est un vassal de Lord Tristan Sunderland de Les Trois Sœurs. Il a 640 de renommée. Il est seigneur de Petite Sœur et de Cowtown. On ne sait pas actuellement où il se trouve, et sa famille, c'est on sait qu'il a une épouse qui s'appelle Adeline Torrent. Voilà. Les lieux, c'est donc les différentes villes. Vous voyez les villes à qui ça appartient, à quel royaume, si elles sont pauvres, très pauvres ou pas. Les différentes factions. Donc vous voyez si elles sont en guerre, si ça se passe bien ou pas. Moi il y a une ville, il y a une faction qui s'appelle Braavos. À la base, avec laquelle je voulais m'engager. Mais faute à pas de chance, j'ai assiégé leur château sans faire exprès. Et du coup ils me détestent. Bon, c'est pas de bol. Bref, vous avez vu le Wikipédia. Là, vous avez accès à l'inventaire de votre groupe. Donc là, on voit mon équipement. Et là, on voit ce que j'ai dans ma petite sacoche. Donc, j'ai de la bouffe. La bouffe me permet de nourrir mon armée. Très important. Si vous n'avez plus de bouffe, votre armée meurt de faim. Et les gens vont commencer à la quitter au fur et à mesure. Là, on voit les différents équipements que j'ai. Des chevaux. Que j'équiperai à mes compagnons lorsqu'ils seront... Ils auront assez d'expérience en équitation. Une flèche que je donnerai à mes compagnons qui utilisera un arc. La bouffe et un petit livre parce que j'aime bien lire. On voit mon argent. Donc l'argent ici c'est des deniers. C'est pas de les pièces d'or, c'est des deniers. On appelle ça. Vous pouvez équiper un cheval, gants, casque, plastron, chaussures. Et vous pouvez avoir différents armes. Vous pouvez avoir des arbalètes, des arcs, des albardes, des épées, des lances, des boucliers. Enfin bref, vous pouvez avoir vraiment pas mal de choses en équipement. Là, on voit mon personnage. C'est ma feuille du personnage. On voit mes attributs, mes compétences et mes maîtrises. Les attributs, c'est ce qui gère votre force, agilité, intelligence et charisme. Les attributs influenceront sur vos compétences et les compétences peuvent influencer sur les maîtrises.
plus j'aurai un certain attribut qui va augmenter, plus je pourrai augmenter mes compétences. Par exemple, si j'augmente mes attributs en force, je pourrai continuer à augmenter mes attributs en santé de fer, qui augmente donc ma santé, ma puissance d'attaque, etc. Là, vous voyez, actuellement, je suis bloqué. J'ai ma puissance d'attaque qui est à 4. Force trop faible pour apprendre cette compétence. À chaque fois que vous prenez un niveau, vous allez gagner un point d'attribut, un point de compétence et des points de maîtrise. Là, vous voyez, actuellement, j'ai 2 points de compétence disponibles, mais ma force est trop faible pour que je continue à augmenter ma puissance d'attaque. Voilà. On voit mon expérience, ma santé, mon niveau. Vous avez des compétences qui sont personnelles, par exemple ma puissance d'attaque. C'est compétences personnelles, c'est-à-dire que le fait que j'augmente ma puissance d'attaque va pas augmenter la puissance d'attaque de toute mon armée, elle va juste m'attaquer la mienne. Vous avez d'autres compétences qui sont communes, par exemple le commerce, c'est-à-dire que si je suis bon en commerce et qu'un de mes compagnons est bon en commerce, ces points vont s'aligner pour faire en sorte que les prix des marchands vont être réduits. Par exemple, vous avez aussi marche forcée. Si un de mes compagnons a la marche forcée qui est augmentée, ça va avoir un effet sur tout le groupe. Et ça va faire que tout mon groupe va se déplacer plus vite. Et vous avez les compétences de dirigeant qui sont uniques aux dirigeants d'un groupe. Moi, par exemple, j'ai commandement qui me permet d'augmenter le nombre maximum de troupes que je peux avoir, qui va augmenter leur morale et qui va réduire leur salaire. C'est-à-dire que tous les mois, mon groupe va me coûter de l'argent. Voilà. Mais, grâce à cette compétence, ça va me coûter moins de thunes. Gestion de prisonniers aussi, qui va me permettre d'avoir plus de prisonniers. Et les prisonniers, je vous garantis que ça me rapporte un max de blé. Enfin bref, vous avez accès à diverses compétences. Alors moi, je suis tourné plus vers la force et le charisme. La force pour augmenter ma santé et faire tenir sur le champ de bataille. Et le charisme afin d'augmenter mon groupe. Au niveau des maîtrises, j'utilise des armes à une main et l'arbalète. Et un bouclier. Là, on a mon groupe. Donc là, on a accès à mes différents soldats et à mes compagnons. Donc là, on voit ici moi. Là, on voit mon compagnon, Albert Tête de Corbeau. On va lui parler. Bonjour, Albert Tête de Corbeau. Patati patata. Je peux lui gérer son équipement, comme pour moi. Et je peux aussi lui gérer ses compétences. Mais vos compagnons prennent aussi des niveaux. Donc, l'important, c'est d'avoir un groupe assez équilibré avec des compagnons qui ont diverses caractéristiques. Par exemple, ce compagnon, c'est mon médecin, en gros. Je lui mets des attributs dans l'intelligence, afin qu'il puisse avoir, il puisse soigner les blessures de mon groupe, et qu'il puisse les aider médicalement parlant. Ça serait donc stupide de prendre un autre compagnon, médecin, parce que leurs compétences ne vont pas se rajouter entre elles. Je vais prendre un autre compagnon, ou par exemple, un gros bien, je vais lui mettre entraîneur, pisteur et tacticien, par exemple. L'enregistrement reprend maintenant. Go! Donc, vous voyez, il vaut mieux avoir un groupe assez diversifié pour avoir accès à plus de compagnons. D'ailleurs, on va lui augmenter l'arme à une main. Comme ça, il sera meilleur dedans. Hop là. Donc, j'ai plusieurs compagnons qui sont actuellement blessés. J'ai lui qui est mon médecin. Lui, c'est, je crois, mon pisteur. Et lui, c'est un mec qui défonce tout. Ensuite, vous avez accès à vos troupes. À droite et à gauche. Donc j'ai des troupes qui correspondent au Lannister parce que je travaillais au Lannister pour cette époque, donc j'ai pas voulu les changer. Vos troupes vont prendre aussi l'expérience et vous pourrez les améliorer au fur et à mesure. Par exemple, j'ai des archers de Terre de l'Ouest. Je pourrais tous les améliorer. Améliorer archer de Terre de l'Ouest pour 45 deniers. Vu qu'il a pris assez d'expérience, je pourrais améliorer. Hop. Un archer de Terre de l'Ouest est devenu un archer long des Terres de l'Ouest, etc., etc. Je peux les améliorer si j'en ai envie. Bon, là, actuellement, j'ai pas trop envie de les améliorer, donc je m'en fous. Vous avez vos prisonniers, que je pourrais vendre. Vous avez accès à votre morale, à l'argent que vous avez, et au coût hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine, de vos troupes. Mes troupes vous coûtent 617 deniers par semaine.
Qu'est-ce que je pourrais vous donner, votre limite de taille, etc., etc. Vous avez accès à beaucoup d'infanterie, enfin de soldats. Vous avez de l'infanterie, de la cavalerie et des archers. Pas d'armes de siège en revanche. Enfin si, les armes de siège, c'est pas pareil, c'est pas considéré comme des troupes. Et ça, on en reparlera une autre fois. Donc, mon but dans la vie, c'est bien me faire voir par le Pentos. Là, actuellement, j'ai pris une mission qui consistait à détruire un repaire de bandits. Et ça a été confié par Ordelo Estatis, qui est cet homme-là. Où est-ce qu'il se trouve? La dernière fois que vous l'avez vu, Ordelo Estatis était parti faire la guerre. Il était entre Wildebrandt et Valburn Hill. Le rapport date de 3 jours, donc le rapport est erroné. Donc, on va aller se promener, on va essayer de le retrouver. En même temps, on va essayer de choper ces gars-là et on va se friter avec eux. Alors là, vous voyez, autre chose. Là, on voit mon groupe. On voit que ces groupes-là se déplacent à une vitesse de 4,8. Moi, je me déplace à une vitesse de 4,5. Bon, ils m'ont foncé dessus parce que c'est des abrutis. C'est des bandits, après tout, ils servent à rien. Pourquoi je les attaque? Ben parce que j'ai envie de leur péter la gueule, de faire en sorte que ça soit des prisonniers qui me rapportent de l'argent et que je récupère un matériel. Voilà. Donc, on a 47 troupes qui sont disponibles. On n'en a pas 51 parce qu'il y a des troupes qui sont blessées. Et mes ennemis sont 36. Donc, vous avez plusieurs choix pour une bataille. Aller sur le terrain, mener vos troupes, charger, ordonner à vos troupes d'attaquer sans vous. C'est pas très conseillé. S'enfuir en laissant quelques troupes derrière pour couvrir vos arrières. Ça, c'est pas mal aussi. Quand il y a beaucoup de mecs en face et que vous savez que vous allez vous faire péter la gueule. Il faut savoir faire un noble sacrifice des fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mener nos troupes. Pour vous montrer comment ça se passe. Donc, vous avez accès à plusieurs ordres. Vous pouvez gérer des ordres de vos infanteries, de vos archers, enfin de vos troupes séparément. Là, je vais demander mon infanterie et mes archers de tenir cette position. Je vais demander à mon infanterie d'avancer de 10 pas pour qu'ils se trouvent devant mes archers. Comme ça, mon infanterie va protéger mes différents archers pendant que les archers vont faire le gros des dégâts. Je vais mettre en mode vue FPS parce que c'est la vue que je préfère. Et on va attaquer. Infanterie, chargez! Ah, j'adore être à cheval, moi, par contre. Oula, je failli prendre une flèche, là. Bing! Dans ta gueule! Voilà. Là, c'est une petite bataille, donc il n'y a pas vraiment de strat, là. Puis je viens de prendre une flèche, ça n'a rien gueule. Il n'y a pas vraiment de strat, parce que c'est des bandits. Les bandits, ils servent à rien. Donc, vous voyez, en bas à gauche, les différentes actions. Qui est assommé, qui est tué. Alors les gens qui sont assommés, c'est bien, parce que c'est des gens qui sont capturés. Et les gens qui sont capturés, c'est des gens qui me rapportent de la thune, parce que je les vends. Donc être à cheval, c'est très bien dans ce jeu, parce que vous voyez, je peux tourner facilement autour des ennemis. Hop là. Je peux tourner facilement autour des ennemis, sans que eux puissent véritablement m'attaquer. Et puis s'il y en a qui fuient, je les attaque aussi. Je vais prendre l'arbalète, et toi, je vais te tuer. Voilà. Bon, c'est un combat qui se passe plutôt bien. Ah, il est en train de fuir. Et il croit qu'il va réussir à s'enfuir. Mais non! Mais non, car j'étais là! Voilà. En plus, je l'ai assommé. Voilà, la bataille est terminée. Une petite bataille tranquille. On a donc. On voit donc le résultat de la bataille. Vos pertes. Total, 1 de tués et 1 de blessés. Ça va, pertes ennemies, 16 tués et 20 blessés. On pourrait recruter des troupes. Sachant que moi j'aime bien avoir un coût hebdomadaire de 700, on va recruter ces gens-là. Ces mercenaires. Vous voyez, mon coût hebdomadaire a augmenté parce que j'ai plus de troupes. Et on va capturer tous ces gens-là qui se trouvent ici. On va enlever l'esclave parce qu'il va pas se vendre beaucoup. Vous avez des troupes qui se vendent plus ou moins cher. Plus vous avez des troupes qui sont élevées, qui ont de l'expérience, et plus elles vont se vendre cher. Je vais libérer soldat et je vais prendre cet esclave et je vais prendre ce bandit de montagne. Donc là, on a récupéré tout ça de matériel. Donc c'est relativement de la merde, mais ça se vendra. Là, là je suis plein. Donc je vais laisser mes compagnons prendre le reste de l'inventaire que je récupérerai plus tard et que je vendrai. Donc là, on va d'abord se diriger à Rios. Donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure, lui, il a une vitesse de 5.
Moi, j'ai une vitesse de 4-5. Si je devais le poursuivre, il pourrait s'échapper, car il est plus rapide que moi. Donc, il est important d'essayer de prendre des ennemis en tenaille. Alors, ça, c'est un seigneur du Pentos. C'est pas le seigneur qui nous intéresse, il me semble. Le seigneur qui nous intéresse, c'est Ordello et Statis. Donc, on va se rendre dans la ville. Vous avez plusieurs lieux dans ce jeu. Vous avez des villes, vous avez des villages, des châteaux et des gros châteaux. Moi, dans cette ville, j'ai construit un atelier de tissage de lin qui me rapporte des sous toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, je ne sais plus. On va aller voir le marchand. Il a 363 deniers. Ok. On va lui vendre nos merdes. Ouais. Voilà. On va lui vendre pour 358 deniers. Nos conneries. On va aller voir un marchand de chevaux. Et on va lui vendre le reste de nos trucs. Alors je vais vous montrer au fur et à mesure. Mes compagnons, donc vous vous souvenez, on leur avait donné de l'inventaire. Du coup on va le récupérer. Ouais. C'est la partie un peu chiante de l'épisode. Vendre toutes vos conneries. Donc lui, il a 667 deniers. Donc on va lui vendre... 25 de protection. Tunique en cuir lourd. On va en garder une. Pourquoi t'as gagné, tu en gardes une? Pour pouvoir la donner à un de mes compagnons. Oh, voilà. Putain, on est riche. Jamais eu autant d'argent. Donc vous voyez par exemple, lui, ta tenue, elle fait quoi? Elle fait du 28, 8, 28, 25, 15. C'est plus intéressant du médecin là. Par contre, cette tenue, je vais l'équiper sur un de mes autres compagnons. Alors toi, ta tenue, est-ce qu'elle est plus pourrie ou est-ce qu'elle est mieux? Elle est mieux... Non, elle est pas mieux. Celle-là, elle est meilleure. Voilà. Et le dernier compagnon, vous voyez, c'est comme ça qu'on gère un petit peu ces personnages. Toi, tu fais du 17, c'est de la merde, ton armure, c'est de la grosse merde. Du coup, je vais te donner ce pourpoint lourd en cuir. Et voilà, t'es content. Il est content. Il y avait un autre de mes compagnons, je crois que je l'avais équipé. Voilà, toi, je t'avais équipé d'un arc, mais pas de flèche. Du coup, c'est ballot. Voilà, maintenant t'as des flèches, tu pourras tirer à l'arc. Il est content. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous avez plusieurs possibilités dans une ville. Vous pouvez vous rendre auprès du maître du guild lorsque vous l'avez trouvé. Pour le trouver, il faut que vous promeniez dans les rues, que vous lui parliez une seule fois. Vous pouvez entrer dans une arène, visiter la taverne, aller sur le marché, voir votre truc que vous avez construit, si vous avez construit un truc. On va visiter la taverne. On va voir s'il y a un rançonneur, car un rançonneur se trouve dans les tavernes. Ah, ben voilà, hein. Parfait. Label de le rançonneur. Je souhaite payer la rançon de mes compagnons. Ah, ça c'est intéressant ça. D'abord, on va vendre tous nos bandits qui vont nous remporter 1600 dragons d'or. C'est bon ça. Alors, ce jeu est très dur au début. Quand vous démarrez, vous êtes tout seul. Les bandits ils vous défoncent. Vous pouvez même pas équiper d'une épée. Vous avez un couteau. Enfin, c'est la loose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler pour des seigneurs. En général, ça vous rapporte de la thune et ça vous augmente votre expérience. Toi, donc vous vous rappelez de Fena que je vous ai parlé au début de l'épisode. Normalement, voilà, elle est enfermée. Oui, votre ami est détenu au donjon de la marque, comme c'était intéressant. Je me souviens avoir entendu dire que les rats là-bas sont aussi gros que les chiens du seigneur des lieux. Bon, pour être raisonnable, la somme de 1120 dragons d'or, qui comprend à la fois la rançon, ma commission et mes autres frais, feront bien l'affaire. Et Fener retrouvera sa liberté. Donc là, si je paye 1120 dragons d'or, je vais pouvoir retrouver ma compagnon. Elle viendra me rejoindre plus tard dans mon groupe. Je vais lui payer la rançon. Et comme ça, elle sera libérée et j'aurai un nouveau compagnon dans mon groupe. Tristesse, on n'a pas trouvé encore le seigneur pour rendre la quête. Mais c'est pas grave. Ce premier épisode a eu pour but de vous expliquer le jeu une bonne fois pour toutes, comme j'ai l'habitude de le faire. On va arrêter l'épisode sur ceci.
J'espère que j'aurai attisé votre curiosité. Je vais, moi, de ce pas tourner un deuxième, voire un troisième épisode de découverte, si j'en ai le temps, où je vais continuer à vous parler du jeu et où on va continuer à jouer. Mais on va entrer plus dans une phase de gameplay, comme pour Stellaris. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une aventure sur Mounted Blade Warband. Salut les potes.